Re tout le monde, c'est SGPython78 et on se retrouve pour la partie 8. Donc la partie où il y a un seul des trois robots qui a un pied ouvert, donc avec un interrupteur dedans. Voilà. Donc pendant ce temps, vous avez votre collègue qui a les bombes napalm, qui la lance à cet endroit-là. Voilà. Et lui faut aussi le drone de Maxis, hein, je précise. Hop, pendant ce temps-là, ceux du robot appuient sur le bouton, ça va déclencher le tir des bombes napalm. Ici, une fois que ça a creusé le trou, vous voyez là, le trou a explosé. Vous lancez le drone de Maxis, et là il va aller dans le trou. Et par contre, préparez-vous parce qu'il y a plein de Panzers qui sortent du trou. Il y en a bien une dizaine, je pense, hein, facilement. Donc, bon, avec les bâtons magiques, hein, ça va tout seul, mais ben, voilà, méfiez-vous, quoi. Ne mourrez pas à cette vague-là inutilement. Donc petite technique hein, pour les robots, comme il n'y en a que un sur les trois d'ouvert, vous faites comme si vous le faites à quatre, un qui fait tourner les zombies, deux qui regardent les robots et l'autre qui se prépare à lancer les bombes napalm et le drone de Maxis, et franchement ça va tout seul, ça va nickel. Donc voilà. Par contre si cette manche là, c'est la manche des Panzers, vous avez une poche de sang de zombies. N'utilisez pas tout de suite, vu que pour l'étape d'après, en fait, elle peut servir. Enfin, elle, c'est pas elle peut, c'est elle va servir. Donc voilà, n'utilisez pas, on se rejoint pour la partie 9. Allez, salut tout le monde, ciao, et puis j'espère que ça vous allait réussir. Salut!